Ici, personne n'était préparé pour aujourd'hui. Étions-nous prêts? Non, nous n'étions pas prêts. Chavez nous a tous surpris et nous en sommes ravis. Nous n'allons pas parler du traitement du président. Il y a des porte-paroles officielles pour cela. Ce que je peux vous dire, c'est que le président va entamer une nouvelle phase de traitement. Il est revenu et va continuer son traitement ici. Alors nous demandons à tous nos concitoyens de respecter la zone autour de l'hôpital militaire. Nous faisons confiance aux médecins et à tout le personnel qui soigne le président.